Allô? Oui, Eric. Dis-moi. Bah pour ça, Eric, on voit ça demain à la réunion avec Aziz. Hein. Ouais, Eric, et... Non, demain. Eric, c'est fin de journée là. Moi, je suis près de chez moi, je rentre maintenant. Je m'occupe pas de ça. Ouais, allez, bonne soirée Eric. Hein. Ciao, 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 ciao. Salut la jeunesse. Salut. Alors, on fait le monde. Ah, super, ça va? Tiens, Badi, ça va? Ah, les parents va. Vont bien? Oui, oui, très bien. Par rapport au barbecue, vous pouvez le garder. Oui. Hein. Ah, ouais, j'en ai plus besoin. Ah, merci beaucoup. Cadeau. Allez, ça fait plaisir. Bonne soirée. Hein. Au revoir. Ciao. Je veux simplement que l'Occident vive. Benzema est-il en lien notoire avec les frères musulmans? Cette organisation musulmane et l'arabe. Ça, c'est clair là-dessus. Est-ce qu'il y a des chameaux dans Paris? Non. Non. Est-ce qu'on est dans le désert à Paris? Non, on n'est pas dans le désert. Alors pourquoi on mettrait des djellabas? Ouh, là, c'est dingue. Là, c'est pas possible, là. Oui, ah, on va faire. Ça va bientôt finir, ce boucan, là! J'ai rien d'autre à foutre! Hein? Et toi, Badi, ton père, il ramène le barbecue demain! Compris? Pardon. Allez, foutez le camp! Oh, qu'est-ce qui se passe encore, là? Putain, il n'y a rien qui fonctionne, ici, hein. Ça va, David? Ça va, toi, Marc? Ça va, je te sens un peu tendu, en ce moment. Non, pas du tout, Marc. Franchement, ça va. Je peux te donner 2-3 jours de congé, si tu veux. Pour te reposer un peu. Non, tout va bien, merci Marc. Ok. Ah, salut Aziz, ça va? Ça va et toi? J'ai envoyé un email en Italie. Hein? J'ai envoyé un email en Italie. À Nathalie, Aziz! À Nathalie, pas en Italie! Allez, fous le camp. Qu'est-ce que tu veux travailler? 3 jours, ça ira? 3 jours. Bonjour. Bonjour. T'as pris rendez-vous? Bah évidemment, hein, sinon je serais pas là. Hein. Bah faut venir le dire, monsieur. Bah vous m'avez vu, hein. Vous pouvez patienter. Je patiente. C'est beau, hein. Il y a un problème? Non, pas de problème. Non. Il est beau, votre chat. Vous l'avez appelé comment? Je l'ai appelé chien. Parce que chose de déjà pris. Ouais. Ah, génial. Ouais. Patient suivant! Bonjour, docteur. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Bienvenue, bienvenue. Alors, merci. Dites-moi tout. Ben, je suis malade. Je sais pas ce que j'ai. Je suis très nerveux, docteur. Nerveux? Ouais. Je supporte plus les gens. Ah, mais tous les gens? Oui, bah, l'être humain, les êtres humains. Ah, l'être humain. Vous savez, c'est peut-être un problème de voisinage. Ça me pensait qu'il y avait un gros problème de voisinage. C'est pas votre voisin qui vous embête? Ben, c'est marrant que vous parliez de voisinage. Ah, parce que, allez-y, allez-y. Voilà, il y a quelques semaines, mon voisin Badi. Badi? Oui, Abdel Badi. Ah, Abdel Badi. Abdel Badi, attends, voilà, c'est important. Abdel, donc Abdel, allez-y. Voilà. Et son père, Mohamed, ça fait un an qu'ils ont mon barbecue. Un an qu'ils ont mon barbecue. Hein, vous trouvez ça normal, vous? Un an? Hein? Et à part le dimanche, me ramener des michouis et rester chez moi pendant des heures, parce que quand ces gens ils viennent chez vous, hein, ils s'imposent et ils restent pendant des heures. Attends, c'est pas normal, ça, docteur. Attendez, parce que j'ai Abdel, michouis, barbecue. Allez, ouais, parce que quand ils rentrent chez vous, ils s'imposent, hein, ils restent pendant des heures. Hein. Voilà, au boulot, docteur, parce que y a rien qui va en ce moment. Hein. Au boulot, Aziz, le nouveau. Aziz, attendez, Aziz. Voilà, et ben lui, Aziz, même un mail, il est pas capable d'envoyer. Hein, comment on peut engager des gens comme ça? Et il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, docteur, aussi. Je suis dans ma voiture, je suis en train de faire un créneau. Combien de temps j'ai attendu? 15 minutes 15 minutes 15 minutes, 15 minutes pour un créneau. Ah ouais, c'est beau. Hein? Et je vous le donne en mille, hein. C'était quoi devant moi? Hein, c'était quoi? C'était quoi devant moi? C'était quoi? Ah, c'était quoi? C'était quoi comme voiture? Mais non, ça, j'en sais rien, ça, docteur. Bon, calmez-vous. Ce qu'on va faire, j'ai ma petite idée, on va faire des examens complémentaires, je vais vous ausculter. Voilà, je vais vous demander de retirer votre veste et de vous installer ici. Allez-y. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous allez voir une série d'images, laissez-vous aller. Respirez tranquillement et moi je vais prendre au battement de cœur. Ça va? Ça fait mal? Non, pas du tout. Allez-y. Ça va? Ah, stop. Désolé, pardon, docteur. C'est pas grave. Excusez-moi. Écoutez, j'ai bien peur que vous êtes atteint de racisme arabo-coque aigu. C'est quoi ça? Vous êtes atteint de racisme. Moi? Comment j'ai chopé ça? Vous regardez la télé.
Oui. Les infos. Oui. Ah. Écoutez, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais... Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'ai inventé un traitement révolutionnaire. Bon, il est encore en phase expérimentale, mais... Mais pour vous, il va être bien. Prenez-le 3 fois par jour maximum et ne dépassez pas 1 semaine de traitement. D'accord. 3 fois par jour, 1 semaine. Revenez dans 1 semaine. Ok. Ça va? Tenez. Merci, docteur. Merci à vous. Ne dépassez pas 3 fois par jour. 3 fois par jour. Franchement, merci, docteur. Merci. Super, ce traitement. J'ai changé du tout au tout. Ouais, j'ai la joie de vivre. J'aime les gens, j'aime les êtres humains. Je suis joie, je suis paix, je suis amour. Merci, docteur, merci. Par contre, je vais vous faire une petite confidence. J'ai pas respecté le protocole. Non, j'en ai pris beaucoup plus que 3 fois par jour. Ce traitement est tellement bon, docteur. Baraklaufik. Dataldon, ceci est un dispositif médical. Demandez conseil à votre pharmacien. Existe aussi en Dataldon Forte.